La première asset que je vais vous présenter ce mois-ci s'appelle Low Poly Water. Alors on peut voir qu'elle est disponible dans la catégorie scripting et elle est développée par Ebru Dogan. Alors ça va nous permettre de faire en fait de l'eau de façon low poly, donc ça va être assez peu gourmand en ressources. Alors on va voir tout de suite comment l'utiliser dans Unity. Une fois la scène importée dans Unity, vous avez ici deux dossiers, Low Poly Water et Low Poly Water Pack, avec une petite scène de démo pour voir un petit peu comment fonctionne cette asset. Donc elle a un rendu assez sympathique et elle est très simple à utiliser, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite, parce qu'on va faire un petit test ensemble pour créer ici cet océan. Alors je vais ici créer une nouvelle scène. Je vais aller dans le menu Game Object, j'ai ici Low Poly Water et je vais faire Generate Water Plane. Je vais nommer ici ce plane océan. Je vais mettre 8 segments de large sur 3. On va mettre 30 en largeur de plane et en hauteur aussi. On a la possibilité de cliquer sur Add Collider pour ajouter un collider. Là, j'en ai pas besoin pour la démo. On a ici, on peut voir notre océan. Et là, je vais pouvoir reculer un petit peu histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le résultat est assez sympa. Alors évidemment, ici, il faut aller voir au niveau de l'asset, mais on peut voir que l'effet il est bien là, et en fonction des segments, tout ça que vous aurez ajouté, vous allez avoir un rendu plus ou moins sympathique. La prochaine asset que je vais vous présenter s'appelle Simple Dynamic Cloud. Elle est toujours disponible dans la rubrique scripting et elle est développée par Butterfly World. Alors c'est tout simplement une asset qui va vous permettre d'égayer un petit peu le ciel en mettant des nuages qui se déplacent tout seul. Alors elle est super simple d'utilisation, je vous montre ça tout de suite. Alors pour l'utiliser, rien de plus simple, une fois importé dans Unity, vous allez dans le dossier préfab, vous avez un préfab ici qui s'appelle Cloud. Vous le glissez ici au niveau de votre scène et vous positionnez la caméra comme il se doit. Et là, si on lance la scène, regardez ce qui se passe. On a bien ici des nuages qui se déplacent. Ce qui vient égayer la skybox par défaut d'Unity, c'est quand même assez sympathique et on peut voir que c'est très simple à mettre en œuvre. Il y a simplement un préfab à glisser dessus. La prochaine asset va se trouver très intéressante dans certains cas. Elle s'appelle Double Side Shader et elle est développée par Siconia Studio. Alors c'est tout simplement un shader qui va vous permettre d'avoir plusieurs faces à un objet qui n'en a qu'un. Alors pour vous montrer comment elle fonctionne, je vais tout de suite dans Unity. Une fois importé ici dans Unity, vous avez ce dossier qui est là, vous le laissez, les shaders sont à l'intérieur. J'ai positionné ici un plane et vous pouvez voir que si je tourne autour de ce plane, j'ai qu'une face à ce plane, c'est normal. Je vais pouvoir tout simplement créer un nouveau matériel. Donc ici, je vais l'appeler Two Side. Et je vais l'affecter à mon plane. Évidemment, jusqu'à présent, rien ne change. Alors, je vais d'ailleurs l'affecter à mon plane en me mettant par ici. Voilà. Et on peut voir que maintenant, j'ai la possibilité de modifier le shader. Et je vais aller dans Siconia Studio, Double Side. Et j'ai ici Émissif. Je vais prendre le premier qui est Diffuse. Et maintenant, regardez ce qui se passe. J'ai bien ici deux faces à mon plane, ce qui est quand même fantastique. Alors ça fonctionne aussi pour les cubes. Vous risquez parfois, si vous êtes à l'intérieur d'un cube... Imaginons ici que j'agrandis considérablement ce cube. Vous pouvez voir que ici à l'intérieur de ce cube, voilà, si je me positionne à l'intérieur avec ma caméra, je ne vois rien. En fait, j'ai pas de face à l'intérieur. Ça va être exactement le même principe. Ici, je vais affecter à ce cube ce matériel. Et regardez, automatiquement, je vois maintenant à l'intérieur de mon cube. Évidemment, tous ces objets primitifs n'ont en général qu'une seule face. Et c'est pareil, par exemple, si vous avez un véhicule, un modèle de véhicule à l'intérieur, vous n'aurez pas de face. Vous verrez en transparence. Ben, dans certains cas, ça peut être très utile. Et cet asset, qui est complètement gratuite, qui est un simple shader, peut vous sauver la vie. Alors la dernière asset va combiner un shader et des modèles et vous allez voir que ça peut être très intéressant. Ça s'appelle Fake Interior Free. Alors pourquoi Fake Interior? Parce que ça va en fait simuler un building par exemple ou une façade avec à travers le carreau. On va avoir du relief et des choses à l'intérieur alors que ce n'est pas le cas. Alors vous pouvez voir que c'est distribué par Amplify Creation et c'est totalement gratuit. Alors on va voir tout de suite dans Unity comment l'utiliser. Alors une fois l'asset importé dans Unity, vous avez des exemples ici et vous avez Simple Façade Intérieure. Et vous pouvez voir que ici, j'ai une façade avec à l'intérieur, on peut voir des choses, notamment ici une machine à eau et tout ça. Et si on recule,
On va regarder derrière, mais on peut voir que je n'ai strictement rien. Et donc ça, c'est le shader qui va faire. Vous pouvez voir quand je bouge ma caméra, l'intérieur est pas statique. C'est comme si j'avais des modèles 3D à l'intérieur. Bon, pour les utiliser, rien de plus simple. Vous avez des préfabs ici, comme vous pouvez le voir. Donc la simple façade. Vous allez pouvoir évidemment la redimensionner à la taille que vous voulez. Et vous avez d'autres objets comme ici des buildings. Et pour vous les montrer, le plus simple est encore d'utiliser ici la scène. Voilà, donc on peut voir ici que je suis à l'intérieur du building. Je ne vois strictement rien et pourtant, quand je suis ici à l'extérieur, on peut voir qu'on a des choses ici. Voilà, on a ici des bureaux. Et de loin, franchement, l'apparence, on ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est vachement pratique parce que ça vous permet de ne pas vous soucier de ce qui est à l'intérieur de votre modèle. Voilà, alors bien qu'ici, j'ai bien, vous pouvez voir, un building hein, tout simplement, mais à l'intérieur, il n'y a strictement rien. Voilà, vous pouvez voir ici à l'intérieur, je suis dans un objet vide. Donc ça, c'est encore une fois grâce à un shader. Et vous pouvez voir que dans certains cas, ça peut être bien utile pour ici faire des façades et autres et donner du relief à votre jeu sans vous soucier derrière des modèles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça m'encourage à continuer. Cette série apparemment vous plaît bien, donc je la continue. J'en fais une par mois avec 5 à 7 bien souvent. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.